Bonjour les amis, bienvenue dans cette présentation de partie, la John Dairy Farm. Il n'y aura pas une grosse explication, j'espère que la carte... Il n'y a pas grand explication, on va avoir bien sûr les liens en descriptif. Un coin de la ferme. Le matériel, un 7210, un Challenger MT 955E. Le John Deere 7230, le Wire, la moissonneuse T560, le pick-up, la remorque Wilson, une petite remorque HW80, le transbordeur, les barres de coupe, le culti Horch, le semoir Horch, l'épandeur Samsung, une tank à eau, un autre tank à eau, la remorque pour les animaux. Un pâture à vaches, un autre pâture, une autre ferme pour les vaches, un enclos pour les chevaux, on peut en mettre 16, c'est correct ça, 200, les silos, un bunker, un grand silo, un entrepôt, ça a de l'allure, après ça, on apparaît là. On a quelques champs, on en a pas mal. On a 4 champs pour commencer. Il n'y a pas grand champ sur la map non plus. Hein. 16 champs. Il y a un BGA, je pense. Non, il n'y a même pas de BGA. Place à prendre. Hein. Mais on a les chevaux et les vaches à la ferme. Quelques points de vente. 2, 4, 6, 7. Au moins 3 points de vente pour les céréales. Joli. Texture. C'est pas une grande carte. Hein. Pour quelqu'un qui joue tout seul, ça peut faire. Beaucoup de grands champs. Hein. Même si la carte n'est pas ce qu'il y a de plus grand, il y a beaucoup de champs. On va visiter la ferme. Hein. Il y a pas mal d'un que ça fait. Elle est belle. Vu des airs. Des silos qui servent à rien. Le bunker est loin. Hein? Pas de fosse à fumier. Okay. Du lisier, mais il n'y a pas de fosse à fumier. Mais plate, hein. Oui, il est curable. Très bonne question. Excusez. Moi, que le fumier apparaît ici, c'est là. Très bonne question, les amis. Très bonne question. En tout cas, le corps de ferme est grand. Le corps de ferme est très grand. Quel petit coin qu'on peut aller, station. Tous les points de vente sont tout à même place. Hein? Il est là le bunker. Hein? Il est là. Il y en a un. Il y en a un. Ah, moi et mon BGA. J'aime bien ça quand il y a un BGA. Bon, ben, je vais vous laisser découvrir la map. Elle est quand même jolie. Je donne un avant-goût. Je suis un agace. Les décos sont. Ouais, il y a du détail. Il y a quand même du détail. Les bordures de chemin sont quand même bien. Les fameux silos d'eau, c'est typique américain, ça.
typiquement américain. BP pour le gaz. Bon, ben sur ça, les amis, on va vous laisser là-dessus. On a un champ perdu ici. Ah, il est à moi. Un leader, John Deere. Merci beaucoup, les amis, puis à la prochaine.